Quand je parle à une startup, je ne dis jamais la même chose si elle a un product market fit ou si elle ne l'a pas. Et c'est comme ça que des fois, des startups ont l'impression que je dis des choses très contradictoires. Par exemple, prenons un, un, un cas tout bête. Dépenser beaucoup, beaucoup d'argent en marketing. Je dis à la plupart des startups que c'est débile. Pourquoi Parce que la plupart des startups n'ont pas de product market fit. C'est typiquement le genre de choses où lorsque vous passez de ne pas avoir un product market fit à avoir un produit market fit, la chose la plus idiote du monde devient la chose la plus intelligente. Alors qu'est-ce que c'est ce produit market fit produit market fit, c'est tout bête. C'est avoir un produit qui rencontre un marché et qui, qui arrive à vendre de façon automatique au-delà des efforts que vous faites. Je m'explique. Vous pouvez voir votre journée comme une tentative désespérée de faire comprendre ce que vous faites. Et là, j'en vois qui sourit, je, je, je compatis avec vous. Cette volonté de faire comprendre ce que vous faites, c'est ce qui, c'est l'acte entrepreneurial qui consiste à essayer d'amener un produit sur un marché donné. Et est-ce que ce marché va comprendre ou pas ce que vous faites Le marché, c'est quoi ben, C'est cet ensemble théorique qui sont en, fond, en fait l'ensemble des utilisateurs que vous avez ou que vous n'avez pas encore et qui sont la cible de votre produit. Est-ce que ma cible comprend ce que je fais Oui, non. Est-ce que lorsqu'elle comprend, est-ce qu'elle achète, oui, non. Et est ce que quand elle achète, elle en parle aux autres, oui, non. Vous venez d'avoir les trois caractéristiques d'un fit parfait avec un marché. Un fit, au sens une, une rencontre amoureuse quasiment, entre un marché et un produit, c'est lorsque le produit est compris par, par les gens qui l'utilisent, c'est lorsque le produit est acheté par les gens qui l'utilisent, et c'est lorsque le produit est partagé par les gens qui l'utilisent. Par exemple, un produit qui a trouvé très rapidement son market fit et qui est en train de faire l'unanimité, c'est Slack. Qui ici utilise Slack Boum, produit market fit. Vous avez vu le nombre de mains qui se sont levées alors que le produit a 9 mois Maintenant, euh, prenons euh, un, une autre startup qui utilise Stripe. Vous voyez, on est en début de, de produit market fit. Là, on a, on a une population de startuppers. Si je demande qui utilise Slack, bah, on a toutes les mains qui se lèvent. Si je demande qui utilise Stripe, il y a moins de mains qui se lèvent. Maintenant, faisons le jeu à l'envers. Qui ici vend quelque chose sur Internet et a besoin de collecter les cartes bleues Levez la main. OK Maintenant, restez la main levée. Allez, un petit effort, on travaille. Euh, on va transformer ça en cours de stretching. Maintenant, qui utilise Stripe Gardez la main levée. Vous voyez, il est pas mal comme product market fit. Et ça, c'est la première chose que vous devez vous poser. Quand vous vous posez la question de est-ce que j'ai un produit market fit ou pas Est-ce que j'ai ciblé correctement la population à laquelle je parle L'un des conseils que j'entends le plus souvent de la part des gens qui essaient de faire la même chose que nous, c'est il faut que ta start-up soit compréhensible en moins de 10 secondes. Il faut qu'un enfant de 4 ans comprenne ce que tu fais en moins de 10 secondes. Je n'ai jamais entendu un truc plus débile. Dans, dans la liste des choses débiles que vous pouvez dire à un entrepreneur, celle-là, elle se top au, au top 1. Il n'y a rien de plus débile. Pourquoi Parce que la vraie phrase, c'est qu'il faut que les gens qui peuvent acheter votre produit, qui sont donc votre cible, comprennent en 10 secondes. Et la cible, elle peut avoir plusieurs caractéristiques. Par exemple, si vous vendez un produit de big data pour des grands, des grands comptes, qu'un gamin de 4 ans ne comprenne pas ce que vous faites, c'est plutôt rassurant. Et ça, c'est le premier élément du product market fit. Est-ce que le marché comprend ce que vous faites Est-ce qu'il arrive à vous identifier et à définir votre objet et votre produit de façon Claire et distincte. Ça c'est la première étape. La deuxième étape, des fois, les gens comprennent ce que vous faites, mais c'est pas pour ça que vous avez un produit market fit. Ils comprennent ce que vous faites, mais ils n'arrivent pas à transformer cette compréhension en acte d'achat. Et ça, nous on le voit tous les jours, des startups qui nous disent c'est bizarre, j'ai énormément d'enthousiasme, j'ai énormément de rendez-vous, j'ai énormément de, je ne sais pas quoi. Euh, tout le monde parle de mon produit, mais personne n'achète. Et alors, pour le bien de ce workshop, quand je dis le mot acheter, ça peut vouloir aussi dire acheter quelque chose de gratuit. Dans le cas d'un produit gratuit, acheter, ça veut dire l'utiliser et, et avoir de la rétention. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que les gens disent Les gens disent bah, Pourtant, j'avais l'illusion d'avoir mon produit market fit parce que j'ai fait des interviews, j'ai été dehors, j'ai demandé aux gens euh, Qu'est-ce que tu penses de mon produit et ils m'ont répondu très poliment que c'était une idée géniale. Et le problème, c'est que la, le marché, il est violent. Le marché, il est injuste. Le marché, il est très, très dur. La différence entre la perception que vous pouvez avoir de la compréhension de votre produit et la réalité de cette compréhension par le marché peut des fois être un gouffre. Par exemple, il y, y a des gens, ils enchaînent les rendez-vous parce qu'ils sont sympathiques. Et ils n'ont pas vu qu'ils avaient une sympathie product no market fit. Et ça peut être très différent, vous pouvez être un très très bon commercial, mais juste ne pas réussir à vendre parce que vous ne vendez pas la bonne chose. Par exemple, nous, des fois, à The Family, il y a des gens qui viennent nous voir, on dit « Ah, votre entrepreneur, machin, qu'est-ce qu'il est brillant !» oh là là, On a passé des heures ensemble à parler. « Oui, mais, mais alors, tu vas acheter son truc ?»« Ah non, non ça ne m'intéresse pas du tout. »« Mais tu lui as dit que ça ne t'intéressait pas du tout ?»« Ah non, mais il a bien dû comprendre, ça fait six mois qu'on parle et je n'ai rien acheté. » Ça, c'est le dialogue quotidien qu'on a, et de l'autre côté, quand on parle aux mêmes entrepreneurs, ils vous disent « Je suis sur le point de closer euh, machin. Là, il est vraiment au bord de signer. Je pense qu'il y a quelque chose. » Et ça, c'est quoi C'est le fait de ne pas admettre que votre startup n'est pas encore en product market fit. Ça ne sert à rien d'essayer de faire de l'acquisition. Ça sert à rien de vendre si vous n'avez pas la certitude que vous avez un product market fit. La troisième chose... D'un product market fit. Donc on reprend, un product market fit c'est le fait que les gens comprennent ce que vous faites, c'est le fait que les gens achètent ce que vous faites et la caractéristique ultime du product market fit c'est que les gens parlent de ce que vous faites. Et alors ça, il n'y a, a rien de plus beau. On va, on va reprendre l'exemple de Slack. Qui a téléchargé Slack parce qu'un ami lui en a parlé C'est plus d'un tiers de la salle. Et qui a téléchargé Slack parce qu'il en a entendu parler dans la presse c'est le tiers qu'on a parlé au tiers d'après. Donc vous voyez, vous, vous avez vos early adopteurs et vous late adopteurs. Mais tout product market fit passe par le fait que vous atteignez dans votre marché ce qu'on appelle de la liquidité. C'est-à-dire que quand vous dépensez 100 euros d'effort, vous gagnez un multiple de cet effort en argent et en revenus. Et c'est cet effet-là que tout entrepreneur cherche, une forme d'effet de levier. C'est la fameuse scalabilité. Si vous gagnez autant d'argent que vous en dépensez. Si, si pour produire un euro vous avez besoin de faire un euro d'effort, vous n'avez pas un, un business très rentable. Si pour un dollar d'effort vous en gagnez 10, vous commencez à avoir un business intéressant. Si pour un dollar dépensé vous en avez 100, vous devenez Google. Et c'est à peu près le ratio en, entre Google. C'est pas dire que Google fait 99% de revenus parce qu'ils ont de la RD, ils ont des coûts fixes, ils ont tout ça. Mais si vous regardez l'effort déployé en commercial par Google et l'effort gagné et l'argent gagné par Google vous avez plus de 99% de marge, et c'est ça que, en fait, vous cherchez quand vous avez un produit market fit. C'est que vous cherchez à bâtir un produit où le fait de le vendre est une forme d'évidence. Une des phrases que je répète le plus souvent à nos entrepreneurs et qui est sans doute la plus dure à exprimer émotionnellement, c'est "success is obvious". Je ne sais même pas comment la traduire en français. Ce sera un truc du genre euh, "Lorsque tu auras du succès, mon fils, tu sauras." Euh, mais c'est une phrase que personne ne comprend jamais et que j'utilise toujours pour expliquer aux gens qu'ils n'ont pas réussi. Euh, ils ont l'impression ils ont d'avoir le début, ils ont 10 clients, 20 clients, mais je sens bien en fait, qu'il n'y a pas de product market fit et je sens bien qu'il n'y a pas de liquidité sur leur marché. Et je leur dis success is obvious. Qu'est-ce que ça veut dire, success is obvious Ça veut dire que le jour où vous avez un product market fit, pour de vrai, vous ressentirez une sensation qui est très différente de tout ce que vous avez pu connaître dans votre vie. Et ça vous paraîtra être une évidence. D'ailleurs, petit moment d'histoire, petit parallèle, la Cour suprême américaine a débattu pendant des années et des années la définition du porno. C'est l'un des plus grands procès devant la, 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 la Cour suprême américaine. Comment définit-on à coup sûr le porno Et ils ont fini par avoir cette définition juridique très subtile le porno est l'évidence. Au sens où, en fait, on peut débattre qu'un film est érotique ou pas, mais. Le porno fait jamais de doute. Et bien le succès market fit, c'est la même chose. Ça ne fait jamais de doute. Quand vous ne l'avez pas, vous pouvez essayer d'argumenter. Vous pouvez essayer de convaincre quelqu'un, de vous de l'avez. Mais à partir du moment où vous avez la moindre personne qui doute de votre produit market fit, c'est que le produit market fit n'est pas encore réel. Le produit market fit fait l'unanimité. Et c'est un sentiment et c'est une ambiance qui est très très particulière dans les startups. Je vous l'ai dit au début, il faut distinguer les startups en deux grandes classes ontologiques, par nature. La première grande classe, c'est les startups qui n'ont pas de product market fit, et la deuxième classe, c'est celles qui l'ont. Celles qui l'ont, on pourrait, on pourrait appeler ça des problèmes de riche. Parce que quand vous avez un produit market fit, à partir de ce moment-là, tout change dans votre startup. La chose la plus dangereuse, ce n'est pas la concurrence, c'est la concurrence future. Parce que si vous n'allez pas assez vite dans l'exécution de votre produit market fit, d'un seul coup, des gens peuvent avoir la certitude que c'est une bonne chose de vous copier. Lorsque vous avez un produit market fit, d'un seul coup, tous vos employés pensent que c'est fini, que vous, que, que vous avez réussi, qu'il faut juste maintenant attendre, alors que c'est le moment où il faut travailler encore plus dur. C'est beaucoup plus dur de motiver des gens à rester barbares, incroyablement violents, alors qu'il y a du succès, que de le faire alors qu'il n'y en a pas. Quand vous êtes quand vous êtes une startup et vous êtes en galère, vous pensez que c'est que c'est le moment le plus dur de votre histoire. Mais en fait, le moment le plus dur de l'histoire d'une startup, c'est de survivre au succès. Parce que les startups qui échouent parce qu'elles n'ont pas réussi à trouver leur marché, etc. Bon, elles savent pas ce que c'est de réussir, mais c'est pas très amer comme échec. Il y a une forme d'héroïsme face à ces échecs-là. Je peux vous dire que les échecs de succès, les échecs de type "j'ai pas su gérer ma croissance", j'ai pas réussi à à, à être à la hauteur du succès qui m'est arrivé. Pas, vous prenez l'exemple de, de MySpace, par exemple. Vous imaginez MySpace à 500 millions d'utilisateurs et un produit market fit évident le jour où Facebook se lance. 500 millions d'utilisateurs. Puis ils sont, ils, sont, ils sont vendus à. Euh, comment il s'appelle ce chanteur là Justin Timberlake pour 10 balles. Vous, vous imaginez la sensation d'avoir été aussi près de bâtir quelque chose d'important et qui compte et de finir vendu à Justin Timberlake. C'est dans, dans, dans le genre dépressif. Il y a, enfin, peut-être qu'il y a des fans. Je, aucun jugement de ma part. De toute façon, je ne vois même pas qui c'est. Mais, mais ce genre de problème, c'est pas la peine de les anticiper. Ce genre de problème, il faut juste en avoir conscience. Il faut juste les traiter au moment où ils viendront. Maintenant, la question, c'est comment vous faites pour découvrir votre product market fit. C'est la question que vous vous demandez tous dans cette salle, si vous êtes entrepreneur, et si vous êtes un voisin curieux, bienvenue. Euh, <laughs> Donc, <coughs> comment déterminer le product market fit En fait, il y a une méthode toute bête, et il y a une méthode que la plupart des entrepreneurs ne veulent pas utiliser parce qu'elle est sans doute trop dure. Mais pourtant, déterminer si on a un produit et un, un product market fit, ça se fait en cinq minutes. Comment on fait ça on va sur AdWords, on va sur Facebook Ads, on détermine très précisément sa cible et on achète d'un coup énormément de trafic pendant 24 heures et on regarde le taux de conversion. Je lisais des articles pour préparer ce workshop et il y a un article qui m'a fasciné, c'est un article de Chun Ellis qui a eu le droit de prendre les 1000 startups euh, de son entourage et de leur poser une seule question quel est votre taux de conversion sur votre première campagne, la première semaine de lancement Et il a découvert qu'il y avait deux groupes de startups. Il y avait les groupes de startups qui avaient plus de 40% de conversion et il y avait le groupe de startups qui avait moins de 5%. Et il n'y avait rien au milieu. Strictement rien. Et ça, ça montre la power law dans laquelle vous vivez. Ce que vous cherchez, c'est les 1% de cas. Qui vont rapporter les 80% de revenus. C'est ça que vous cherchez en tant qu'entrepreneur. Si vous pensez que dans cette pièce, il y aura plus d'un gagnant, c'est que vous n'avez pas compris la structuration du monde entrepreneurial et la concurrence dans laquelle vous êtes. Il n'y aura qu'un gagnant, il n'y en aura pas deux. Et il n'y a pas de semi-gagnant dans l'entrepreneuriat. Soit vous avez un fit, soit vous ne l'avez pas. Et la façon la plus simple de savoir si on a un fit ou pas est de se confronter le plus rapidement, dans les meilleures conditions, au marché. Et pour ça, vous avez un outil extraordinaire par rapport aux générations précédentes, qui est l'acquisition de trafic. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il fallait être débile de dépenser de l'argent en marketing si vous n'aviez pas de produit market fit. Je ne suis pas en train de vous dire de dépenser de l'argent en marketing. Je suis en train de vous dire de dépenser de l'argent pour tester votre proposition de valeur. Est-ce que ce que vous faites, si vous arrivez à acquérir les gens facilement, se vend ou pas et de regarder cette réalité et d'admettre en face que si vous avez moins de 40% de conversion, c'est que vous avez un problème. C'est quelque chose que peu d'entrepreneurs font, mais si plus d'entrepreneurs le faisaient, au moins ils auraient un bon sens de quand il faut pivoter ou pas. Parlons du fameux pivot. Qu'est-ce que doit faire un entrepreneur qui n'a pas de produit market fit Il doit pivoter. Alors j'ai un problème avec ce terme de pivoter, parce que ce terme vient sans doute de l'idée qu'il ne faut pas trop changer radicalement, etc et qu'il faut passer d'étape en étape. Ça ne fonctionne pas. Personne ne trouve de product market fit comme ça. Je vois bien d'où vient le terme, et je vois bien ce que, les, ce que les Américains entendent par ce terme. Mais nous, Français, on a tendance à prendre la pire version de ce que les Américains entendent. Et je peux vous dire que la définition d'un pivot en France n'a rien à voir avec la définition d'un pivot aux US. Un pivot aux US, c'est par exemple, vous êtes Twitter, vous faites une société de podcast, vous effacez tout et vous lancez Twitter. Et ça, ils appellent ça un pivot. En France, on appellerait ça à rebâtir une boîte, ou, euh, euh, ou changer de marché, ou changer d'idée, ou changer tout ça. En fait, l'idée du pivot, elle vient du fait que vous gardez un point fixe qui est l'équipe, et vous avez un point mobile, comme au basket, quand on pivote au basket. Vous avez vu je le, je, quel équilibre euh, vous, avez un point, euh, vous avez un point mobile qui est le produit, l'idée, le marché. C'est pour ça qu'on parle de pivot. On ne parle pas de pivot parce qu'on parle de micro-changement. Si vous n'avez pas de product market fit, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est feuille blanche. Quand vous avez un product market fit, les itérations incrémentales servent à quelque chose. Par exemple, si vous avez un product market fit, vous pouvez réfléchir sur votre home page, sur votre home page à comment passer de 40 à 60 de conversion, ou comment euh, en, en, en tweakant le prix, vous allez passer, vous allez faire plus de ventes. Parce que vous allez passer d'un prix qui était à 199, vous allez passer à 99, et donc vous allez vendre 10 fois plus que votre perte de deux fois moins. Ça, c'est des itérations post product market fit. Mais les itérations pré product market fit, elles ressemblent pas à ça. Elles ressemblent à une seule chose page blanche. Effacez tout. Vous ne vous rendez pas compte la valeur qu'il y a sur le cerveau à ne rien garder. Vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est libérateur de repartir de zéro et de le faire souvent jusqu'au moment où vous ayez un produit market fit. Et vous ne devez pas vous mentir, il n'existe aucune start-up au monde qui a réussi sans product market fit. Aucune équipe au monde n'a réussi à battre le marché. Marc Andreessen, qui a rendu cette expression de product market fit très célèbre, dit No team, even smart as I am, can beat a market. Je pas reprendre la phrase à mon compte, mais vous ne vous imaginez pas qu'il est possible de gagner sur un marché. Si vous avez un marché, vous avez un marché. Si vous n'en avez pas, laissez tomber. Ce n'est même pas la peine de compter. Et il y a trois mots que vous devriez vous interdire lorsque vous n'avez pas de product market fit. Premier mot, il suffit qu'on éduque le marché. On l'a tous entendu, celle-là. Il suffit qu'on éduque le marché. Alors, vous, vous la notez en grand, vous la barrez. Vous la blasphémez, vous l'interdisez, personne n'éduque un marché. Un marché, ça se conquiert. Par exemple, si, si je pose dans, là la question de qui a acheté l'iPhone euh, première génération, l'iPhone 3 Une personne, ne bon, faites pas les timides, ok. Donc ils sont à peu près 7, 8. Euh, si je pose qui a acheté l'iPhone 4, voilà, déjà il y a un tiers de la salle. Et qui a acheté l'iPhone 5 Voilà, le reste. Les jet laguer. <laughs> Ça, c'est pas une éducation de marché. Ça, c'est une dispersion de marché. Il y a eu des early adopteurs et il y avait un produit market fit avec les early adopteurs. Ces early adopteurs ont convaincu les les, les adopteurs d'après, la lettre majority, blablabla. Bla bla, vous connaissez toute cette courbe d'adoption de l'innovation. Et si vous connaissez pas la courbe d'adoption de l'innovation, tapez courbe d'adoption de l'innovation sur Google. Vous verrez, c'est vachement bien expliqué. Le sujet, c'est que vous ne pouvez pas vous tromper sur qu'est-ce que ça veut dire avoir un Product Market Fit. Par exemple, si l'iPhone n'avait pas été vendu à un million d'exemplaires au début, et s'il n'y avait pas eu une, une, une presse aussi tyrambique, il n'y aurait pas eu de Product Market Fit. Le Product Market Fit il ne se définit pas par le nombre de ventes. Je ne suis pas en train de vous dire que les startups qui sont un succès sont les startups qui vendent beaucoup. Elle serait facile celle-là. Et oui, pour faire une startup à succès, c'est très simple, il suffit de vendre beaucoup, et alors plus vous vendez, mieux ça se passe. Non, ce n'est pas ça l'enseignement. L'enseignement, c'est que le pourcentage et le taux d'effort doit être décroissant. Le pourcentage de gens que vous convertissez, lui, doit être croissant. Et votre taux d'effort, il doit être décroissant. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous avez autant de mal à inscrire le dixième client que vous en avez eu à inscrire le premier, c'est que vous n'avez pas de produit market fit. Ça veut dire que les gens ne comprennent pas ce que vous faites, que les gens n'achètent pas ce que vous faites sans une grande force de conviction de votre part. Et surtout, ça veut dire que rien de ce que vous avez accumulé comme preuve et comme indice sur ce que vous faites ne vous a rapporté quoi que ce soit. C'est pour ça que la métrique star, lorsque vous, vous ne savez pas si vous avez encore un produit market fit ou pas, c'est le taux de conversion, quels que soient vos chiffres. Si vous avez quelques centaines d'utilisateurs, mais que 99% d'entre eux utilisent votre produit, vous avez sans doute un produit market fit. Et va se poser la question de à quel point votre marché est gros, à quel point il est liquide, à quel point il est haut, à quel point il est facile de le conquérir. Mais ce n'est pas la même nature de question. Réfléchissez-y bien. À chaque fois que vous recevez un conseil à partir de maintenant, réfléchissez à cette question très simple. Est-ce que ce conseil est donné avant la phase de Product Market Fit ou est-ce qu'il est donné après la phase de Product Market J'allais dire de Product Market Kiff. C'est un peu ça l'idée. L'idée c'est, est-ce que les gens pro kiffent profondément ce que vous faites ou pas C'est ça en fait. Il n'y a pas, pas d'autres questions intéressantes. Et si vous n'êtes pas capable d'avoir une certitude, une conviction, vraiment un drive qui vous rend cinglé à propos de cette certitude, c'est tout simplement que vous ne faites pas encore la bonne chose. Et si vous ne faites pas encore la bonne chose, je vous invite à changer radicalement ce que vous faites. Je ne comprends pas pourquoi les startups françaises passent autant de temps à essayer de convaincre les autres qu'elles ont raison, plutôt que de passer du temps à faire quelque chose qui marche. Il y a une époque pas si lointaine, il y a 9 ans maintenant, je travaillais à Hong Kong dans un grand fonds d'investissement qui était dirigé par un psychopathe. Et ce psychopathe, il avait comme caractéristique d'être extrême dans tout ce qu'il faisait. Il n'avait rien qui ne faisait pas à l'extrême. C'est-à-dire que si à un moment il découvrait qu'un type de nourriture c'était bon pour lui, il mangeait que ça. Euh, si à un moment il découvrait que je sais pas quoi, machin. et alors il avait un truc, c'est qu'il était persuadé que la chance existe. Et à l'époque, on recevait les, les, les business plans dans, dans une pièce. Alors c'était une pièce assez grande parce qu'on recevait des centaines et des centaines de business plans, mais les, les fichiers joints étaient trop lourds pour être envoyés par email est trop confidentiel pour que les gens fassent confiance d'envoyer un BP par email. Et donc les gens envoyaient du papier avec des filigranes euh, écrits euh, personnel pour David Lee, euh, personnel pour Isun, personnel pour Milosis. C'était le nom des fonds. Et, et, et donc les gens recevaient. Et alors il, avait une, donc, il y avait une institution c'est que le lundi, il distribuaient les BP aux différents associates qui devaient les rentrer, les taper, les analyser, écrire les notes pour le partner meeting de la semaine d'après. Et alors il rentrait dans la pièce et il avait, ça, ça finira jamais de m'étonner, il avait un, donc une pile, il prenait des BP au hasard, il les foutait à la poubelle et il disait j'aime pas les gens qui ont pas de chance. Et alors, donc super trait de l'esprit, très brillant, en plus qui crée, le, qui, bah, qui crée la légende. Puis un jour, et, et donc, toujours la même histoire, il fout ses trucs, il dit. Euh, parce qu'en plus, le mec euh, radote, quoi. Euh, J'aime pas les gens qui n'ont pas de chance. Et je lui dis, mais vous n'êtes jamais dit que c'était vous qui n'aviez pas de chance Il me dit quoi Il me dit, mais vous imaginez si vous jetez un BP qui est le bon Et qu'en fait, lui, il avait de la chance, mais il avait la chance de ne pas vous avoir, vous, comme investisseur, d'être assez ahuri pour jeter des BP. Et le monde, le monde entier de ce type s'est écroulé, en fait. <laughs> alors, de, alors, déjà, les, tous les associates m'ont détesté parce qu'ils avaient tous trois fois plus de boulot. Parce que maintenant, il te fait regarder tous les bébés. Et il n'a plus jamais jeté un bébé de sa vie. Mais, mais, mais c'est exactement la même histoire que le camp. C'est que l'inverse n'est pas vérifiable, en fait. Bah oui, alors si tu penses que la chance existe, ça veut dire que tu penses que toi-même ne peux ne pas avoir de chance, en fait. Et, et donc, c'est donc un risque trop, trop fort.